Ah, grâce à Dieu, moi connais nous très bien, cousin, cousine, moi yo. À ce moment-là, je voulais venir vous parler avec nous dans la vidéo ça. C'est par rapport aujourd'hui à un examen que tu as subi. Donc, ça me tape dire dans la vidéo ça, c'est que pays d'Haïti, il y a un pile de réformes que tu as supposé faire au niveau de santé. Santé, ensuite l'école en deuxième. Au niveau de santé, qui ça me devait parler, c'est de réformer et contrôler ce qui a passé dans physique peuple là. Eh bien, qui ça me t'est capable de dire dans tout ça, c'est que les gens qui quitté Haïti ou venir dans un pays étranger, je ne sais pas dans quel pays que vous vivez. Alors moi-même, je vis au Canada. Depuis que moi quitté Haïti, moi vis au Canada. Moi, je trouvais que depuis 27 ans que je vis au Canada, moi, je trouvais que j'ai un paquet d'avantages sociaux dans le pays que je vis là. Pour qui ça me venir tout ça avec nous, c'est que chaque président qui monte en Haïti, jamais réformé niveau santé. C'est toujours même pimpin plan, yon allé, yon tourné, même pas au niveau. Il n'y a pas aucun changement de niveau. Donc, avec la réforme santé, vous êtes capable d'aider un pile de monde parfois qui compte mourir en Haïti sans savoir réellement qui ça qui cause mon mourir. Vous compte dire ah, c'est touye mon nan, ou bien parce que mon nan pas bien manger, ou bien parce que mon nan te gen tel petit la fièvre, mais pas gagnon, yo pas font vraiment un test approfondi souvent pour ouais qui cause maladie mon nan qui fait mon nan mourir. Tandis que ici au Canada, avantage que yon immigrant gagne, de même pour les Canadiens, lorsque yon immigrant reçu ou yon citoyen canadien, qui ça qui bon, comme kam capable dit non, faut gagner ressources en Haïti, qui pas même avec ici au Canada. Qui ça qui gagne avantage sociaux ici, c'est que nous capables permettre nous aller dans une clinique, dans l'hôpital, avec yon carte que le gouvernement ban nou, yon rele li yon carte d'assurance maladie, que pays d'Haïti est capable peut-être yon même tout trouver un moyen créer des cartes comme ça pour capable aider le peuple. Donc, ici au Canada, yon prend soin dans tous les sens. Mettons des femmes comme moi, qui âgées de 40 ans et plus, à partir de 40 ans et plus, yo gen un test yo voye ba ou pou fè nan kòw. C'est la même chose pour un garçon à partir de 40 ans et plus. Yo voye yon lèt ba ou. OK? Lèt sa permet tout al fè yon dépistage de sein. C'est gratuit. Même lèt sa que fi yo resevwa puis al fè yon dépistage de sein gratuit. Garçon yo tout resevwa puis al fè yon dépistage de apostat nan pénis yo. Donc, dépistage ça, comme on se dit, nous, est très important pour des femmes à partir de 40 ans et plus, où elles font dépistage du sein. Moi-même, moi, ouais, pays, nous t'a mérité un genre de réforme comme ça pour les femmes et pour les hommes à les faire tester ça. Parce que parfois, on vit dans une situation, on vit dans une vie, on est malade ou pas qu'on est malade. Ou doit avoir un cancer ou pas contre souvenir. De train de vie que vous menez, parfois le stress, les problèmes, situation pays. OK? Ensuite, ou capable gain doit gain parfois dans famille, dans tes doit monde qui te gain génétique, ça compte génétique. Et si c'est pas génétique, parfois comme ça dit nous encore, c'est gain doit vie naturelle la caille. Donc, pour garçon autour au niveau apostat, c'est même bagaille. Donc, ça me tape dit dans la vidéo, pays nous besoin de réforme en pile au niveau de santé. Il y a un pile développement pas fait, donc nous sous-développement jusqu'à maintenant en Haïti. Chaque président monté, il n'a pas fait aucun changement, c'est blablabla. Peut-être qu'il a fait des petits changements dessous des choses, peut-être c'est pas pire, mais niveau santé, il n'a pas frappé là-dedans du tout, c'est toujours. Même petit bagaille là. Bon.
Deuxième étape que tu as passé dans la vidéo, c'est que avant qu'on passe le test, ça, moi marqué l'hôpital là, ils voyons instruction bas où ils disent avant de passer le test là, faut pas passer déodorant bas bras, faut pas passer crème sous peau, tout ça qui sent bon, tout ce qui est parfum, pas mettre sous peau pour qu'on vienne passer examen en neutre avec ou mettre prendre douche ou mettre bien mais pas de parfum sous ta sous corps ou pas de parfum bas bras. Première question, c'est ça. Deuxième question, madame, dans l'hôpital là, est-ce qu'on a un plan mammaire? Même dans le téléphone, il y a et même l'arrivée, ou a un questionnaire faut rempli, puis poser un pile question au niveau de sein, est-ce que tu es allé tes petits tout, est-ce que tu es fait opération? Mais il répond au lit plusieurs fois, est-ce que tu as un plan mammaire, ou si tu es metté, ou tu es dans la ville, est-ce que. Moi-même, moi, dans tout bagay ça, un plan mammaire là, c'est un danger. Pourquoi la femme? Industrie pornographique, yo, me trouve que c'est du tort que yo fait aux femmes. Les hommes d'une femme, elle mette faux tête, elle mette faux des faux fesses. Ça, c'est pas bon. Et même aussi dans l'industrie de la mode, parfois, quand on dit jeune fille, hein, si on pas assez gros, les trois petits, pour représenter Robio, faut mettre faux tête. Là encore, me trouve que c'est un abus au point de vue de corps, une jeune dame. Que t'es dame que ton jeune fille. La Bible dit nous, quand nous serons temps, nous devons protéger. C'est à nous les femmes de dire non maintenant à toute photo pornographique yo, qu'a dit nous à mettre faux seins. Hein? Parce que là nous mettez un plan ma mère là, c'est un corps étranger nous fourrer dans corps nous. Là nous mettons un plan ma mère dans fesse nous, son corps étranger que nous mettons dans corps nous. Et là comment c'est vieilli ou a fin pas sentir douleur ou a fin pas gagner en conséquence. Rete naturel avec ça. Ça c'est bon Dieu qui ba nous. Li naturel. Impression, c'est à nous de dire non à toute industrie kap di nou al mete faux seins yo, à toute concurrence, à ba les concurrence. Premièrement, quand nous son temps, nous devons protéger. Tout implant que nous mettons dans nous, c'est fake. Rete naturel. Ça, c'est pas nous lié. Bon, Dieu te créé nous avec lui. Il va te créer nous pour nous dire nous t'as mis tes implants. Protégez nous. Protégez tête nous. Alors, vu message là, c'était pour parler de pays qui pas gain réforme, qui t'a supposé gain une réforme comme ça, pour capable permettre aux femmes d'aller faire des dépistages à partir de quarantaine. Pour des hommes aussi, qui à partir de 40 ans, pour aller faire un dépistage dans le pénis pour apostat. Faut qu'on koto garde. Parfois, on doit mourir. Parfois, on doit mourir. Par contre, qui s'acture. Quand c'est à deux doigts, il pense sur l'autre maladie et puis son cancer qui tue. Parce que Haïti, le niveau et médecine, il n'y a pas assez de outils, de machines implantées en Haïti qui avancent pour capable faire certains tests. Pour certaines maladies. Alors, nous les filles, nous les femmes, évitez. Question, mon a poussé nous pour nous faire concurrence à le mettre faux seins, faux tétés, faux fesses. Tout ça, c'est des choses vaniteuses. Protéger quand nous sommes en temps, pas quitter nous prend pression pour la mode, pour photo pornographique. Restez sain avec quand nous. C'était ça le message là. Pays nous besoin réforme sur la santé pour capable aider moun ki malade et puis on doit poser question pour qui ça que en pile moun Haïti pa gen soin parce que pa gen réforme pour la santé. Dans chaque quartier tu as supposé gagner yon ti clinique pour tout moun al faire visite de temps en temps ou bien tu as supposé connait dans chaque quartier dans chaque département yon moun ki rive non ni groupe di non niveau groupe d'âge pour capable permettre yo passer examen ça. Alors, vous voulez partager tout ça avec nous. Moi, j'aime ça partager des petits moments comme ça avec nous. C'est pour capable peut-être réformer nous-mêmes tout. Il y a des gens qui partent peut-être dans le pays quand on a vivre là, par contre, qui côté. Si vous capable, si vous avez un genre d'examen, est-ce que vous prenez soin de nous dans le niveau ça? Mais nous-mêmes, pourquoi pas? Nous devons peut-être, si nous connaissons 40 ans et plus, aller chercher, aller faire recherche, aller chercher, faire des. Demandez au médecin, bah non papier, pour nous faire dépistage sain là. C'est très important pour les femmes de 40 ans et plus de faire du dépistage
du cancer pour capable compte qui côté garde parce que parfois que doit des maladies il doit former et pour pas connaître. C'était ça le message là. M'a tourné son autre vidéo pour venir mon résultat parce que après 10 jours, c'est là ça m'va connaître résultat si m'gain si m'pa gain. Alors, moi connais grâce à Dieu, m'pa gain. Alors, c'était ça le message moi pour te parler avec nos peuple moyen pour réforme santé en Haïti et pour nous mêmes jeunes filles pour nous capables pas prendre pression dit à bas et implant pas mettre gens de barre ça dans corps nous parce que sont étrangers que nous fouer dans corps nous et qui pas bon pour nous là nous commence à vieillir. C'était ça me devait bail comme message à la prochaine.